Hello beautiful people. Alors, comment allez-vous en ce jour glorieux? En route, je suis allée faire une surprise à mon cousin. Il croit qu'il va passer la journée avec sa go. Mais en fait non. On va faire un truc qui s'appelle saut en parachute. Non, saut en soufflerie. Je suis même pas sûre du nom. En tout cas, on va faire quelque chose. Donc voilà, c'est parti. Je suis en retard et je danse. Est-ce que c'est logique? Bref. Bien arrivé à la gare de Cormeil en Parisie. Donc là, je vais le chercher. Je suis trop dégoûtée. Regardez, je me suis sali. Mon labello. Bref. Donc il arrive. Il est de l'autre côté de la gare en fait. Donc j'attends. Surprise! Ah, mon cousin s'appelle Benjamin en fait. Vous allez voir, il est très beau, très grand et tout ça. Et voilà. Et je pense qu'il est grand temps que j'arrête de dire et voilà. Surprise, motherfucker! T'as dit quoi? C'est un taxi grand format, dis donc. Ah, bâtard! Bon, bah, à toutes! Alors, hein, comment allez-vous, monsieur Benjamin? Bah, écoutez, ma foi, je me porte très bien. Et regardez, c'est marrant. Parce que j'étais justement en train de regarder une vidéo, un vlog, plus exactement. Waouh! La famille, si, si! Alors, es-tu prêt pour cette journée? Je sais plus. Non, je pense que j'ai toujours été prêt depuis le début. Depuis le premier jour. Depuis le jour de ta naissance. Depuis le jour de ma naissance. Ça fait 25 ans et quelques jours. Ah ben, sais-tu ce que nous allons faire? On va prendre l'air. Ouh, on va s'envoyer en l'air. Je crois que je suis pas prêt encore. Alors, racontez-moi, n'est-il pas grandiose? Je vous ai pas dit qu'il était beau, mon cousin. Ah là là. Alors, dis-moi, où allons-nous hein? J'en ai aucune idée. La seule chose que je sais, c'est ça. Et si tu allais prendre l'air? Waouh. Donc voilà, faut savoir que j'ai une compagnie aimante, apparemment, qui s'amuse à me laisser des petits mots, comme ça. Avec Attends, mais des là, trajets. C'est quoi, là? C'est le trajet. Je savais que je devais venir jusqu'ici. Et c'est tout ce que je savais. Et t'as fait quoi comme activité? Alors, du coup, ben, ce matin, en me réveillant, elle m'avait offert une petite boîte avec un petit cadeau dedans. C'était quoi? Et je suis une macrelle, moi. Non, il y avait un parfum dedans, un parfum et puis une huile. Ça tombe bien par rapport à ce qu'on disait hier. Parce qu'il pue. Je ne pue pas, ok? Je stresse parfois, c'est différent. Non, non. Et en gros, il y avait une petite enveloppe où il y avait écrit « C'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses vrais amis. » Donc? Donc, j'ai ouvert la lettre. Donc là, encore une fois, j'avais le trajet qui emmenait jusqu'à 26 rue Richer à Paris, où il y avait un escape game. Et là, ouh, il y avait 4 de mes meilleurs amis. La famille. Wow, ouais, c'est ouais. La famille. Ah non, c'est pas mes vrais amis parce qu'on a perdu du coup, oh. Vu qu'ils sont nuls et mauvais, voilà, mais bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Enfin bon, non, et plein de petits trucs comme ça. En tout cas, avec moi, je peux te dire que tu vas gagner, let's go. Ouh, aérocarte. Ah bon? Amber. Très bien. Mais je sais pas à fond. Bonjour, bonjour. Le futur secret. Welcome. Chute libre. J'ai attendu, on va prendre l'air. Ah putain. Femme ça pas pour vacabon. Ah non, Sophie pas pour vacabon, hein. Avec toutes ces surprises là, non. Non, Dieu est grand. Sophie c'est sa copine hein, qui organise toutes ces surprises là. Mais comment il est garé celui-ci?
Mais je me suis dit, je suis mal garée, je suis mal rentrée, mais elle est complètement en travers. On dit que les femmes savent pas se garer. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Vous remarquerez que moi, je n'ai rien dit. Salopard. Salopard, je t'aime plus. Les femmes ne savent pas se garer. Moi, j'ai rien dit. Regardez comment il est frais. Oh, attends. Contre-plongée. Aïe. Je suis pas prêt, non, je crois que t'es pas vrai non plus. Ces hommes qui ne tiennent pas la porte aux femmes. Beautiful people, how are you? Deuxième partie. Donc ce matin on a fait le karting. Benjamin a cru que c'était fini, que c'est bon, elle est rentrée chez lui. Sauf que on a encore d'autres surprises en réserve. Donc là, ravalement de façade de fou. Non, pas de fou, un peu de highlight. Le rumba de chez Fenty Beauty. Ton resto cubain. Resto cubain sur Paris. Ma tenue décontracte, je vous montre ou pas? Bon, je vous dis ce que je porte. Donc, boucle d'oreille pour l'NBA, t-shirt blanc, chez New Look, il y a écrit noir. Funny, hein? C'est drôle, non? Blazer de chez Primark, détail, les boutons en perles. Après, j'ai un jean noir de chez New Look. Lacets et des Vans rouges. Quand elle rentre, ça fait. Ah non, on y va. Ah non, je pouvais pas.
Salut tout le monde. Bon, j'ai pas eu le temps de finir le vlog de l'anniversaire de Benjamin. Donc je le finis proprement, c'était super. Le truc là, comment ça s'appelle? Chute libre, extraordinaire, franchement, comment je flippais de ouf. Vraiment, il a eu un SPD, je sais pas quoi, 350, je sais pas. SPD, c'est un truc de musicien. Je mettrai une photo pour voir ce que c'est. He's happy, c'est tout ce qu'il compte. Là, je vais encore capter Benjamin, on va aller voir Black Panther. Allez, to go. Bisous, à bientôt, bon samedi. One more warning.